Salut amis gamers, amis gameuses, ici Emulac pour Act Factory. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Overwatch avec Boubac. Salut Boubac. Salut, salut. pour la première semaine de la saison 5. Donc là t'étais pas avec moi. Non, t'as voulu faire du solo là. Ouais. Ouais, parce qu'en fait on a... Alors, comme je vous disais, on est transparent. Pour la première semaine, lors de la vidéo de placement, je vous ai dit que j'avais perdu pas mal de côtes. Enfin, j'en perds tout le temps. J'en perds tout le temps. Enfin, ça dépend, ça reste. Des fois j'augmente, des fois je baisse, mais la première semaine, en fait, c'est là où j'ai perdu le plus de coach. Je crois qu'on en a perdu ouais, pas mal. Peut-être entre la première et la deuxième semaine. Déjà, la première semaine, j'avais pas beaucoup joué, il me Ouais. semble. Et donc là, en fait, on avait dû jouer ensemble, on avait dû perdre, donc avec Nida et toi. Et du coup, je pense que je me suis barré tout seul et ça m'a permis de gagner un peu de côtes. Parce que quand je joue tout seul, ça, franchement, c'est top. Parce qu'il y a toujours des mecs dans le chat, tu vois, ils sont bons et tout, mais Ouais. après moi j'aime pas, tu vois, c'est vrai que c'est bénéfique de jouer seul, mais j'aime pas jouer seul. Parce que bon, tu vois, c'est pas le même délire, quoi, je veux dire. Tu joues entre amis, c'est un jeu pour jouer entre amis, mais Ouais, bah c'est pour mieux, se parce que régaler. finalement, dans le long terme, si on joue à 6, tu vois, c'est même toi et moi, déjà, quand on joue à 2, ça se voit qu'on joue depuis longtemps. J'ai plus de batterie. Ma manette a jamais de batterie, cette putain. C'est Oh abusé. putain. Alors vous allez remarquer. Alors là, c'est Boba qui a fait le montage. Vous êtes peut-être. C'est un bon montage. Et alors Bon, il y a tu... plusieurs trucs que je Ouais. dois vous dire dans le montage déjà. C'est qu'il a. Il a pas mis les côtes de fin de partie. Peut-être une quelques fois, non, même pas? Non, j'ai pas mis, Non, j'ai il a pas zappé. mis, voilà, Je croyais que je le mettais pas, du coup j'ai pas mis. Voilà, il voulait faire une nouveauté pour la saison, mais je lui ai dit non. Donc Ah prochaine semaine, vous aurez les côtes en fin de truc. Et en fait, l'image qu'on fait d'habitude, c'est l'image de fin. On avait une police qui ressemblait à celle d'Overwatch. Et bah pour cette vidéo-là, elle ressemblera pas du tout. Parce que le souci, c'est que j'ai pas internet en ce moment. la nouveauté. Et le truc, c'est que bah j'ai refait mon ordi. Mon fichier Windows s'est effacé. D'accord? Mais mes fichiers que j'avais local, si tu veux, mes fichiers locaux, genre mes dossiers pour le de la chaîne et tout, ils sont restés eux. Ce qui fait que j'ai l'enregistrement de Photoshop sur ma miniature que j'avais fait, enfin l'image que j'avais fait à Ouais. la fin, mais j'ai pas la police. Du coup, je Je l'ai noté là, sur l'enveloppe, et dès que j'aurai internet, il faudrait que je la reprenne, mais d'ici demain, d'ici qu'elle soit en ligne, la vidéo, j'aurai pas internet. Enfin, j'aurai internet demain, mais je le mets pas depuis mon domicile. Donc du coup, voilà. Moi, je préfère être sincère avec vous. Bon, là C'est c'était une bonne longue, chose. ouais. Ah, là c'était une longue phase de jeu, hein. Ouais. Donc je l'ai mis à l'entier. Mais en plus, c'est vrai que des premières semaines, je prenais pas trop Tracer. Quand on joue ensemble, je prenais plus Zarya et les femmes comme ça. Tu vois là, hein, Ah je ouais. mets la bombe direct. Donc là, on était pas mal. Bon, il restait qu'une minute. J'avais La vu. Anna, elle était pas mal, hein. Ah ouais, Elle se déplaçait mais bien, je trouve. Anna, je sais pas, sa hitbox, elle est trop bizarre quand elle tire. Moi, tu vois, une Tracer, normalement, ça devrait être chaud à toucher, tu Ouais. vois. Enfin, sauf pour les big boss, tu vois, mais. Bah non, moi, les Anna, pourtant je bouge bien, quoi. Mais elle me slip, j'ai l'impression que c'est perpendiculaire, des fois, tu vois. Elle va tirer à gauche, moi je suis à droite, et bah je me slip quand même, tu vois. Enfin, c'est abusé. Donc là, en plus. Alors moi, vous savez, j'ai pas internet parce que j'ai changé d'opérateur. Donc du coup, je suis un peu coupé du monde. Et Bubak est venu chez moi en me disant qu'il y avait une vidéo de Doomfist qui était sortie. Donc du coup, bah en plus, il est sorti sur le PTR, donc ça me fait chier parce que j'aurais pu prendre une vidéo dessus bah, sur le PTR, mais ça serait pas possible du coup. Ah, moi je vais jouer avec. Tu vas te Je régaler, vais hein, tu me rentrer, raconteras. je vais régaler. Mais en plus, ça doit pas être. Parce qu'en plus, il a même. Je veux dire, dans la galerie des héros, il a rien le mec. Il a pas d'emote, il a pas de. Tu Ouais. vois? Donc c'est vraiment que le personnage qui est jouable. Ce qui fait que la mise à jour, elle a pas dû être. Alors c'est bizarre parce que Orisa, elle est sortie il y a combien de temps? Il y a 2 mois, je pense, à peu près, non? Je sais Avant, pas. c'était tous les 4 mois, je crois, les personnes. Maintenant, c'est tous les 2 mois. Parce que tu vois, saison 4, début saison 4, on avait Orisa, on venait d'avoir Orisa. Et là, bon, c'est pas le début de la saison 5, on est à. Un peu plus que le quart, je pense. Et là, On j'ai vraiment pas est beaucoup au joué, hein. tiers, on est au tiers. Putain, j'ai vraiment pas beaucoup Premier joué. tiers, hein, je crois. Parce qu'en fait, à chaque fois, il Parce m'arrive des merdes. que Et au ça, début, c'est... c'était mon CPL qui marchait Ouais. pas. Donc, du coup, bah, je pouvais pas jouer à la play. Enfin, c'était rare, quoi. Enfin, des fois, je pouvais jouer, des fois, je pouvais pas jouer. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, j'ai plus internet.
Espérons que ce soit... Ça soit réglé d'ici demain, parce que sinon, je perds de la côte. Ça fait déjà plus de 6 jours. Enfin, j'irai chez Boubac pour jouer, je pense. Sur cette partie tranquille. J'augmente ma côte. Mais putain, ça fait chier. Il va falloir que j'augmente. Parce que là, je vous avoue que l'objectif top 500 est un peu loin. Bah, déjà. Non, mais après, c'est vrai que la, sur la saison 4. Jours, ouais, la saison... est, il nous reste 60, je crois. Ah ouais? Ouais. Putain. Ouais, ça doit être un peu pas ça. Ah, tu regardes tout à l'heure, tu me diras. Mais après la saison 4, on s'était grave gavé à la fin, quoi. Ouais, on avait fait un rush à la fin. C'est ouais. Bon, là, et là, pour être sincère avec vous, la première semaine, c'est nous qui faisons de la merde. Franchement, parce qu'on avait pas des alliés dégueulasses. Enfin, c'est bizarre, parce qu'on avait des alliés, des fois, ils prenaient 6 mètres en attaque, et ils prenaient des. Tu vois, des Torbjorn. Là, tu vois, il y a le Torbjorn en défense. Bon, c'est une bonne idée sur Echelon là. Mais je pense que nous, on jouait pas à notre niveau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à jouer tout seul. C'était la même sans rien. Alors là, vous allez être impressionné parce que je vais prendre du heal. Un deuxième partie de manche. Ouais, parce qu'ils étaient pas déterminés à prendre. Mais je crois qu'ils te demandent. Ouais, ils me demandent au micro. Enfin, ils me demandent, du heal. Après, moi, je me dis. Tu vois, j'avais perdu de la côte le soir. Je me suis dit, bon, allez, vas-y. William, tu vas être un bon samaritain. Ouais. Bon, ça me dérange pas de prendre du heal, hein, sincèrement. Déjà là, je crois que t'avais un soldat non au début. Non, t'avais direct derrière. Non, j'avais pris direct derrière. En défense, j'aime bien prendre des arrières. Ce soldat, c'est un peu la misère parce que tu te mets au top, mais ça peut venir derrière. Tu vois, il y a trop de trucs à. Je suis vraiment pas. Ouais, je suis vraiment pas fan de. Bah, même soldat en temps normal, j'aime pas trop le jouer. Vous avez quoi, une widow là? Qu'on voit tout le monde. J'ai pas fait. Je crois qu'ils ont un Enzo. Ah, il a réflexe. Je crois que le Roi Dog avait déjà été travaillé là. Non, pas encore. Je crois pas. Je crois, oui. Ouais, parce qu'il avait l'air de tirer vite là. Il tire vite là. Enfin, j'ai essayé tant bien que mal de sauver la range. Là, j'étais fou là, putain, quand même. J'aime trop avoir autant de points. Voilà, et là, le Lusso de compète. Ah ouais? Ah ouais, non, tu fais mal. Voilà, j'ai pu prendre ça. Ouais, j'ai bon, c'est pas là, c'est pas cette phase de jeu là, mais ouais. C'est l'autre phase de jeu, tu. Non, mais franchement, je te jure, en plus là, il faut savoir que c'est notre premier. Enfin, c'est notre deuxième push. Et franchement, on communiquait tous, ah, on est Reinhardt, passé par le bas. Il est pourri, alors, votre Reinhardt de ouais. Mais là, pourquoi il tape pas? Il était au. Mais c'est pas question qu'il tape ou pas là. S'il empale la Orisa, alors qu'elle est blindée. Déjà, jamais tu empales une Orisa. Et en plus de ça, un blindage. Et en plus, il voit qu'elle est un peu. Ah bah, ouais, ça va sauter. De la merde là, je l'ai mis. Bon, après, franchement, il aurait pas été con, il serait resté en haut, je pense. Ah, ok. Voilà. Là, je me suis dit, je vais essayer de faire. Parce qu'en plus, ils ont utilisé un raise et ils avaient un téléporteur, hein, je crois, sur la droite. Mais ce qui est assez incroyable. Voilà, bon, là, notre phara, elle était monstrueuse. Hein. Mais ce qui était assez incroyable, c'est que. Voilà, c'est là que tu fais pas triple. Là. Voilà, déjà, tu loupes pas une balle sur lui. Voilà. Là, tu tues ça, tu tues un peu la hange aussi, mais bon. Quoi? Voilà. on sent le DPS. Non, mais en plus, Lucio, vraiment, c'est un mec. Tu vois, moi, Lucio et Zen, j'aime bien jouer, franchement. Ah non, j'aimerais bien savoir jouer, mais je suis une bille dessus. Ange normal, quoi, c'est pas. Je suis je déteste Ange. Hein. Après moi c'est si mon équipe gagne ça me dérange pas, tu vois. Ça me permet de souffler, tu vois, moi j'aimerais bien tu vois sur 5 parties même si tu vois quoi qu'après moi j'aime bien jouer DPS hein. Si on se gave qu'est-ce que c'est? Non mais sur oh putain, là j'ai joué avec vous. On la perd celle-là non? Non, on a gagné. Non, si on la perd. Nida il adore Oasis. Il adore prendre Il aime Genji. Bien les maps où il y a. Ouais, il aime bien le KOTH déjà de base. Ouais. Et puis tu vois, il y a pas sur Genji direct. Le petit là. Là, ça c'est toi qui l'avais poussé. Ah, ouais, je l'avais poussé, je crois même que t'as le play of the match là, non? Ah non, c'est avec Reinhardt là. Donc l'excès que vous avez pu voir sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook. Ah oui, je me rappelle cette truc. C'est on perd, on est à 2-0. Non, tu peux ne spoil pas. Ah, t'es en train de spoiler, ouais. Ah, ils vont voir ça. Ouais, c'est ce que je peux dire. Oh non, je. C'est bon, je l'ai coupé le plus. Non, mais ils vont voir là. T'es une remontada là. On va faire une bonne remontada. Ah, c'est celle-ci. Ouais, parce que là, je prends du heal. En fin de compte, nos tanks ils savaient pas survivre. Ils savent pas c'est quoi le mot survivre.
Parce qu'il y avait ça Reaper. Ah là, c'est parce qu'il y avait le review de Reaper aussi. Ils savent pas c'est quoi survivre avec un Reaper, ça y est. Et oh là là. Voilà. On est dans la merde, il y a un Reaper. Oui. Bon. Ce qui est chiant un peu, c'est que. Ah. Là, je l'ai complètement chié. À un moment, j'ai mis un truc où tu fais de la merde. Ouais, bah, ah oui, celle-là, j'ai pas fait de coupure, c'est vrai. Je me rappelle. J'ai pas fait de fondu. C'est pas grave, ça fait bien aussi. Hein. En fait, tu peux mettre. T'es pas obligé de mettre des fondus entre les parties, entre les actions. Bon, déjà, on a perdu la première main, tu vois. Ouais, ouais. T'es pas obligé de mettre des coupures, des transitions entre les actions. Bon, c'est entre les actions. Non, mais comme ça, tu vois. Après, ça dépend, tu vois. Là, moi, je trouvais que ça, quand on visionnait en parlant, c'est pour ça que je fais les deux fondus. Je fais le fondu qui se fait, entre entre les vidéos et fondu noir-blanc entre les vidéos. Les actions. Non, entre les actions, je fais fondu entre les vidéos. Ah, et oui, entre les actions, ouais, je fais fondu. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Oui, c'est bien. Salut, on a fait longtemps qu'on l'a pas vu. Comment il est dans les bas-fonds de. C'est vraiment match. Ah, il prenait Gélectrate en saison 2. Ouais. Taré qu'il est. C'est un fou. Je le salue, hein. Faut pas trop que je le clash parce que je pars en août avec lui. À Barcelone, donc on va y aller doucement. Là, Nidal avait pris Pharah. Ouais, il aime bien. Parce qu'en fait, il y avait un Winston en plus. Là, franchement, non, c'était. Voilà, notre Zen, il faisait du taf aussi, là. Putain, un bon Zen avec Reaper, ça va être monstrueux. Franchement, moi, je pense que la compo, tu prends Lucio, Zen, Reaper, Winston, déjà là. Et Diva, c'est fini pour moi. C'est fini. Ouais. Je te jure, ouais. Diva. Doomfist. Oh putain, Doomfist, c'est vrai. Mais moi je crois que franchement, parce que là en plus si vous voulez, comme on le disait tout à l'heure, il est sur le PTR, donc vous pouvez trouver des gameplays FR ou anglais ou même tous les trucs quoi. Et franchement il a l'air d'être assez intéressant quoi. En fait toutes les capacités elles peuvent se... Sinon on peut faire une vidéo dessus. Hein, ouais, on peut faire ça. Ouais. Si d'ici ce week-end j'ai la truc, on peut la sortir à l'NG. Le con de Macri, ce qu'il a fait. Il s'est retourné sur toi. Mais con. T'as vu genre... Je l'ai brain mais de ouf là. Donc là, on fait un. Il est revenu. Voilà, déjà, je prends un Reinhardt. Calmer là. Ouais, bah, applause de ma parce qu'en fait, cette map quand j'ai pris Reinhardt. Parce qu'en fait, du coup, maintenant, on avait besoin de personnes qui survivent et avec Reinhardt, tu le gères. Alors, je remercie les personnes qui ont aimé la dernière vidéo, qui m'ont ajouté. Il y a un Portugais qui m'a ajouté et tout. Alors, j'ai pas pu jouer avec eux, malheureusement, parce que j'ai plus internet. Les pauvres, ils m'ont ajouté. Ah, mais j'étais toujours monsieur là. C'est deuxième partie de manche. Regarde, tu as vu 2-1 là, on a gagné. Et là, j'ai pris Reinhardt. Déjà, je détruis. Ouais, parce qu'on avait vraiment pas assez de survie quoi. Par rapport au Reaper. En plus, moi j'aime bien prendre Zarya et quand t'es Reinhardt. Tu vois qu'on arrive à rester collé. C'est vrai que ça, je te jure, à chaque fois, on le fait jamais. C'est qu'à chaque fois qu'on reste collé, mais dans n'importe quel jeu, on gagne tout le temps. Et on le fait pas souvent dans les parties. Tu te rappelles dans Call of en recherche de destruction, on restait tout le temps collé. On se protégeait. Voilà, et quand on le faisait, et je vous jure, il nous gagnait pas. Et c'était pas du campage, hein. C'était vraiment. On jouait toujours l'objectif. Jamais, franchement, moi j'ai jamais été. Bon, après, il y a des situations où il faut que tu campes un peu, tu vois. Ouais. Le temps que ça se tasse et tout. Mais jamais on campait dans une salle où c'était propice. Mais regarde, par exemple, là, tu vois, on voit le roi d'or. Toi, tu meurs jamais. Ton bouclier. Dès que moi je prends du dégât, toi tu avances. Dès que toi tu prends du dégât, tu recules, tu prends ta place. Enfin, tu vois, c'était grave. Et même sur Call of, faudrait qu'on. Pourtant, on a le micro, hein, on se parle tout le temps, mais je sais pas ce qu'on fout pendant les games, c'est dingue. Parce que je pense qu'on pourrait jouer plus type là, tu vois. Ça nous permettrait de gagner. Parce que là, faut être sincère. Et là, voilà. À ce niveau-là. Carnage un peu. Là, c'était. Lida avait bien suivi aussi. Franchement, le niveau de diamant, je trouve que. Putain, je laguais, tu vois. Là, c'est mon CPL qui buguait en haut à gauche, là. Je sais pas si on voit les icônes un peu. Tu vois. Pourtant, là, ça se sent pas trop sur le jeu. D'où la preuve que le Blizzard a d'excellents serveurs. Ça aurait été sur Call of, je pense que c'est moins déconné de la partie depuis longtemps. Là, on revient de 2, donc là c'est la finale. Donc là, déjà, regarde, le truc vient à peine de se débloquer, on est tous dedans. Moi je suis à 84, là c'était la folie. Ah bah, tu te dis, quand je suis elle, là. Elle est gentille, elle est très gentille. Elle est revenue. Dis-moi que je la tue quand même. Oui, tu la tues. Elle est gentille parce que ça serait tombé dans le trou, je l'aurais pas su. Là, je crois que c'est le carnage, non ? Non. Ah, mais là, on leur a fait mal avec les tanks. Ah, bah, nous, dans le tank, déjà, niveau survie, c'est.
t'es fait là, t'as rien. T'étais descendu toi, non? T'étais descendu, je crois. Ouais, bah, des moments. Ça, le Genji, je kiffe. Le Genji, les Genji, le pire à ce niveau-là, c'est qu'ils réflectent, je te jure. C'est comme les divas qui mettent leur matrice devant moi. Stop les divas. Stoppez ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait un effort, et j'ai plus d'IVA. Donc, faites un effort, utilisez vos matrices correctement. Les gars, toi, t'as. Parce qu'on a le code, bah, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Et là, notre âge, je sais pas où elle était. Elle avait ouais, pas ouais, je crois qu'elle se cachait pour faire le. Un raise ou. Ah, oh, mais c'est des cons, les gens, je te vois. Voilà. Alors là, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que j'aurais pu utiliser ma boule, mais en fait, avec la diva, j'ai eu peur qu'elle mette sa matrice, mais elle l'a. Vu qu'elle s'est barrée ensuite, donc c'était bon. Là, ils auraient pu me filer le play of the match, hein, que je t'ai gavé. Non, mais tu vous avez pas vu, vous allez voir après. Mais on le voit pas trop sur ton ouais. Sur ton image. Je regarde souvent mes scores. C'est vrai que j'aurais dû le laisser correctement pour que tu puisses le voir. Non, mais tu vois pas en fait, on fait le play of the match, mais sans. Tu vois, c'est, je crois c'est là. Là, ouais. Ouais, je peux pas lui mettre de. Là, je suis dégoûté parce que depuis le début, je voulais lui mettre. Non, c'est pas là, c'est pas là. Je voulais lui mettre un bouclier. Pourtant, là, même là, je me suis gavé là, regarde. Ouais, tout le monde était là. Oh, regarde. Je vous jure, il passait pas. Il ne passait mais pas. Mais j'ai pas de vie, j'ai jamais de vie. Ils veulent pas me heal, les putains de bâtards là. Y'a que son la partie Bobrak. 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 Voilà, déjà, j'ai un peu l'ANA. Et je tue. C'est invisible d'ailleurs. C'est à son bras? Non, non, c'est Ah, mais oui, elle est invisible. C'est juste le dernier buzz. Ah là là, ouf, wow, oh là, là. Pas mal, hein? Ouais. On sent que ça tape. Boubou Bowser et après, les gens, les jaloux, ils diront ah, tu tapes, tu fais que taper, c'est fini. Bah. Tu sais, c'est beaucoup de placements. Beaucoup de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec Nathan Berger et Boubou Bowser. Ouais, c'était. Deux abonnés d'ailleurs. C'était un super Zenyatta. Franchement, il m'a. Ouais, ouais, ouais. Non, il avait. Moi, les deux, ils me rigolent. Surtout que. Alors. Boubou Bowser, il s'est abonné depuis la page Facebook, il me semble. Et Nathan Berger, qui est d'ailleurs pas son nom, on n'arrête pas de le chambrer à cause de ça, mais il était abonné déjà ouais. Sur la chaîne, je le savais pas. En saison 2 ou 3, de temps en temps, je tombais avec lui ou contre lui. Mais tu vois, je le connaissais pas, je savais qu'il était français, ouais. Parce que des fois, quand il était avec nous, mais tu sais, genre, on se retrouve en saison 2, début de saison 2. Et eh ben après je le vois en fin de saison 2, après début de saison 3, mais tu vois c'était une game, une ou deux games par saison, ouais, tu vois. Genre. Et bon à un moment je l'ai ajouté parce qu'il était français et qu'il jouait bien quoi. Et puis là il nous avait avoué qu'il était abonné quoi, donc il aurait... Et il est bon là, je crois qu'il a 3600 de cote. Il a bien augmenté franchement, c'est mérité. Je crois qu'en plus il joue bien Symmetra. Alors bon, je pense qu'il a d'autres cordes à son arc, mais franchement il joue bien Symmetra. Et Boubou Bowser, il joue bien tout, Boubou Bowser. Mais c'est vrai que son Zen, il est puissant. Ouais, il est puissant. Franchement, bah là, on le voit, là. Les orbes, ils sont bien... Ouais, ouais, bien parce qu'en plus, bon, nous, on avait de la chance parce que la Pharah était pas babysitée par, par une ange. C'est qui, la ange? C'était qui, la ange? Parce que je vois qu'il y avait le logo vert dessus. Le logo vert? Non, enfin, le... Tu vois? Nathan. Ah ouais? Ah ouais, bah putain. Bravo, Nathan. Enfin, c'est pas Nathan, c'est Théo. Théo. Ouais, non, parce que là, pour la petite anecdote, en fait, alors je sais pas comment il s'est démerdé. Quand il a voulu créer un compte PSN, ils lui ont proposé ça, mais en fait, il a pas dû refuser et du coup, ça l'a créé comme ça. Il a dû pas se faire chier. Moi, franchement, Nathan Berger, je me demande si c'est pas fait exprès quand même, parce que ce soit aussi parfait, Nathan Berger 1950. Le mec s'appelle pas Nathan, aucun membre de sa famille, que ce soit son père, sa mère, tout ce que tu veux, ils sont pas berger ou bergère, et il est pas né en 97. Donc vraiment le mec, je sais pas comment il a fait. Il a dû hack un compte. Ouais, ça se trouve c'est ça, ça se trouve il veut pas nous dire. Ça se trouve c'est le compte de son petit frère ou... Alors moi j'ai demandé si c'était son père, si c'était le compte à son père. Donc là je crois on a fait 3-3, nous, les deux équipes. Ah non. Non, là c'est encore... Ah ben on les arrête là je crois. Non, c'est pas ça. Je sais pas. 3-3. Non, ils nous reprennent 3-3. Et après, nous, on les arrête juste là. Et nous. Ah on... oui. Ah putain, t'as spoil, arrête de spoil. Non, putain. Mais elle est bien, plus cette game. Non, franchement, je te jure. Ouais, là, tu vois, ces games comme ça, avec Soldier, je me régale. Ouais. Tu vois, quand les mecs, ils crèvent vite, là, que j'arrive à les focus. Le putain de Zen, il faisait mal. Entre Zen. Ouais. Je voulais pas dire putain, mais. Regarde le bastion, là. C'est pédé. Ça, j'aime trop l'utiliser. Regarde, il me dit coucou.
Bah là il était foutu. Il savait qu'il allait mourir. Parce qu'en plus avec une Phara, je veux dire si... Et voilà, ulti. Oh, on tient fait rien je crois. Moi j'ai ulti, j'ai fait de la merde. Ah je regarde pas, tu montres pas ça. Hein? Ouais non mais... J'ai rien fait. Non mais tu es mort direct après. C'est, là je crois que j'utilise pour rien là. Là on utilise beaucoup là, on utilise vraiment beaucoup. Ah mais on voulait vraiment les bloquer. Je m'étonne. Bah après il restait 30 secondes hein. C'est PD. Franchement ouais c'est dommage. Ah ouais ils avaient pris une bastion. Mais ça genre. Manque hein. Vous voyez Overwatch il a, ça a pas beaucoup de maps, ça a pas beaucoup de contenu. Mais ça manque. Franchement c'est l'atmosphère tu vois, moi quand je regarde une vidéo Overwatch, tu sais c'est surtout les moments qu'on passe dessus quoi. Ouais. Ça, ça va être chaud hein, de... Bon ça va, c'est que Blizzard ils restent longtemps avec leur jeu, donc on est... On a le temps. Ouais, on a le temps. WoW c'est sorti en... Si je dis pas de conneries, c'est soit sorti en 2004, soit en 2006. Donc là ça fait plus de 10 ans, donc tu vois on a de la marge. Après c'était pas le même mode économique, mais Blizzard gagne énormément d'argent avec les coffres. C'est dingue hein, quand même. Des gens achètent des... Enfin tu vois, je veux dire, c'est... si tu joues au jeu... Mais pendant les events, je peux comprendre un peu, tu vois. Tu vas absolument un... Quoique maintenant, ils sont payants, les... tu peux les payer, les skins. Les skins. Tu vois, vraiment, le truc qui était abusé, c'était... Pour... Et moi, je trouvais ça bien, pendant les Jeux Olympiques, où tu avais... Tu pouvais pas les acheter, les skins, et tu... c'était ouais, vraiment c'était... le hasard. Ouais, ça, c'était ça. Bien, et en même temps, il y avait une sorte de rareté, tu vois, t'avais ton skin. Moi, quand j'ai eu le skin athlétique de Tracer, mais j'étais heureux, j'étais... C'est dommage qu'ils aient... Après, bah, ils écoutent leur communauté, mais visiblement, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de ne pas pouvoir avoir leur skin, quoi. Ouais, bah. Après, c'est chaud, tu vois. Moi, je trouve que c'est vaut mieux que ce soit plus rare, comme par exemple ouais, le logo de saison 1. Ben voilà, c'est eux qui ont joué en saison 1. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, tu vois, c'est comme les logos de top 500, tu vois. Ce serait con de... Ok, bon, les mecs ont le logo de top 500 de la saison 1, tu vois, ça fait stylé, quand même. Ouais. Et qu'un an après ils te disent bon bah vous pouvez l'avoir cette saison tu vois si vous êtes top 100 imaginons, mais tu vois c'est pas bien quand même. Ouais c'est pas bien parce pour que les gens qui se sont fait chier après moi ça me fait chier que je l'aurai jamais. Ouais non, c'est sûr. Tu vois mais bon voilà quoi. Donc voilà. J'avais qu'à l'avoir la première saison. Donc c'est de la fin de la vidéo, donc je suis né à 3406 de côte sachant que j'avais spawn à 3444. Donc j'ai réussi à remonter hein. Parce que je vous assure, c'était pas gagné d'avance. J'avais 3300, quoi que 80, c'était pas non plus encore. Ouais, non, mais en fait, tu stagnais, tu vois. Ouais, tu, ouais. Tu mais c'est souvent ça avec moi. Et il y a un moment où, bam, ouais. Ça descend. Ça vaut mieux stagner et monter ouais. D'un coup que de descendre vraiment. Ouais, beaucoup, parce que moi, c'est ce qui me fait dans toutes les saisons. Et je vais finir sur ça. C'est que à chaque fois, je descends beaucoup. Et à la fin, quand on monte, et ben, je suis obligé de rattraper d'abord ce que j'ai descendu. Tu vois ouais. Et c'est abusé, quoi. Enfin bref, je te remercie Bug de m'avoir aidé à commenter et à faire le montage. Je remercie les viewers d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et tout ce qui s'ensuit, et à m'ajouter sur la play. Donc c'est Emulact, mon pseudo. Comme ça, vous pouvez peut-être avoir votre play of the match en extrait. Allez. D'ici là, ne rage quittez pas et soyez bon joueurs. Ciao tout le monde. Ciao.